Bonjour mes petits du soleil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour ouvrir Les Alchimols, la nouvelle série de la saison 4. J'en ai encore jamais ouvert. On va s'ouvrir ça ensemble pour la première fois. Comme d'hab, j'ai pris mes ciseaux pour tout ouvrir, pour avoir plus facilement. Hop. Hop. On va regarder le petit Flariars comme d'habitude. Hop. Qui est très mignon. Puisque maintenant, ce qu'on peut voir, c'est toutes les régions d'Alchimol. Hop. Et voilà comment ils se présentent. Et on voit ici qu'on peut les mettre avec une lumière. Et le petit cœur au milieu, fleur, fait de la lumière. Voilà, comme les autres, il y a toujours les raretés des ailes. Ils sont un peu changés. Il y a des nouveaux, il y en a des beaux. Tout nouveau. Il y a toujours les éditions limitées qui sont très, très, très magnifiques. Il y en a que j'aimerais bien avoir, bien sûr. D'autres un peu moins. Là, des éditions illimitées qui sont aussi très chouettes. En espérant, ça c'est en pot de pêche. Elle va les rater, rares, communs, rares, ultra rares et éditions limitées. Du coup, on va s'ouvrir les 12. Comme d'habitude, comme les autres séries, il y en a toujours deux visibles. Je la trouve trop magnifique, cette série. Oh, elle est trop belle. Vous voyez le cœur. Vous le mettez une lampe de poche en dessous de son pépette, qui a un petit trou, comme ceci. Et il fait de la lumière. Ceci est très joli. Alors, on va commencer par son deuxième compagnon qui est aussi super pas mal, qui est aussi une édition illimitée, qui est trop beau. Voilà, alors je vous montre la différence des œufs. Je sais pas si vous vous rappelez, les autres sont jaunes, ceux-ci ils sont rose orangé mauve, le cœur avec un petit étoile dessus. On frotte toujours le petit cœur. Je vais essayer de retirer mes ciseaux de la vue. Hop. On espère d'avoir de la chance. Et c'est de la chance. C'est super. On commence trop bien. C'est un pot de pêche. C'est une édition limitée. Qui est vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et déjà, comme ça, dans la lumière, il est plein de lumière. Il est trop beau avec son masque. Je sais pas si vous voyez, je le mets un peu plus dans la lumière, il est un peu plus fluorescent. Il est trop beau. On souffle le deuxième petit œuf. On appuie. Qui viennent de France. Pour ces petits œufs-ci que j'ai trouvé en France. Voilà. Trop beau, un petit cheval. Vous voyez, regardez quand on le met dans la lumière. Il est déjà tout transparent. Alors, je vous dis pas, ça doit être encore pas mal avec la lampe de poche. Enfin, il change de couleur, là, il est tout transparent. Et quand vous faites comme ça, il est rose. Il est beau. Du coup, je vous le mets là. On ouvre le troisième petit œuf. Et comme toujours, on fait colorer l'œuf, le petit cœur que j'arrive pas. Hop, c'est pas grave. Ça s'ouvre quand même. Je vois quelque chose de transparent. Hop. Oh oui, il est trop beau. C'est un petit chien trop magnifique. Il est beau, il passe la langue. Et c'est un rare. Un rare. Je le trouve trop mignon. J'adore quand ils sont un peu transparents comme ceci. Transparent en pot de pêche, c'est les meilleurs. Je trouve. Il n'y en a pas encore beaucoup qui en ont ouvert de la saison 4. Du coup, voilà. Oh, il est beau aussi celui-ci. Un ultra, enfin, un rare. Que je dis pas de bêtises.
un hippocampe. Il est trop chouette. Ils ont un peu changé les versions. C'est trop, trop, trop bien. J'aime bien cette série. C'est vrai que c'est compliqué d'en faire comme à chaque fois, c'est toujours 100 à collectionner. Oh, celui-ci, il est trop magnifique. Oh, c'est un ultra rare. Oh, corps de la chance. Franchement, on a de la chance. C'est un petit ours. Il est trop beau. Mais il est trop canon. Mais on a de la chance pour cette première ouverture de la saison 4. Mais franchement, j'en demande pas mieux. Là, je vois une petite tête. Hop, il est tombé. Oh, il est beau aussi. C'est un petit singe. Trop beau, un bébé singe. Il est trop beau. Et c'est un coma. Il est trop chouette. Et j'aime bien parce que quand vous le mettez plus dans la lumière, il change de couleur. Je le mets à côté dessus. Bien sûr, il ne veut pas tenir. Oh, ouais. Restera comme ça. Allez, on s'ouvre. Et les œufs sont super colorés. J'adore. Ah, je vois un truc très beau. Qui est très joli. Oh, il est beau. J'adore. Un petit crabe, je pense. Un petit crabe. Tout joli. Et ça, rare. Il est trop chouette. Il est trop trop chouette. Allez, on s'ouvre. Il n'en reste déjà plus des masses. Il nous en reste deux après celui-ci. Bon, tu vas sortir? Allez, je le vois. Là, il ne veut pas sortir. Voilà. Oh, il est trop beau aussi celui-ci. Oh, ils sont magnifiques, cette collection. Un petit chat qui se lave. Il est trop chouette. On dirait mon chat qui se lave. Ah, oh, j'ai pas regardé les ailes. C'est un coma. Il veut pas le tenir. Voilà. On frotte, on frotte. On appuie. Hop. On démonte tout l'œuf pour les avoir. Ah, celui-là est un peu plus noir, il me semble. Il est noir, noir bleu. Noir transparent bleu. Il est, oh, trop beau aussi. La couleur est belle. C'est un commun. C'est un mauve transparent qui donne bleu. Et c'est un genre de petit zèbre. Pour moi, ce serait un zèbre bleu. Voilà. Déjà, le dernier œuf. Ça va trop vite. On espère d'avoir un beau en forme de paix, en peau de pêche. Ce serait bien. Ah, je vois quelque chose. Un petit truc. Oh, ça, c'est un spécial aussi. Oh oui, il est avec son parapluie comme ceci. Il est trop chouette. C'est un commun, mais il est beau quand même. On voit un petit truc dans son corps. Ouais. Je sais pas c'est quoi. Mais il est beau. Et bien fait. C'est bien de rajouter des petites accessoires comme le parapluie. Ça leur donne un autre petit style, je trouve. Il est magnifique. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé. Bon, écoutez, on va les laisser là. Ils veulent plus tôt. Dans les commentaires, si vous avez déjà trouvé la saison 4, qui n'est pas facile à ouvrir. Mais la boîte, je la trouve aussi trop jolie. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle est mauve. Elle est belle. Voilà. Bon, voilà. Je vous n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de me dire lequel vous préférez, bien sûr. Moi, je dirais le pot de pêche. Enfin, ils sont tous beaux. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!